Bonjour et bienvenue à K-School. Pour ce tutoriel, nous allons vous montrer comment régler le bras de votre platine. Pour régler le bras, vous avez trois outils. Vous avez la hauteur, l'anti-skating et le contrepoids. La hauteur vous permet en fait d'ajuster lorsque vous avez un angle entre votre bras et votre plateau, et bien de pouvoir le rectifier. Donc du coup, vous allez pouvoir régler cette hauteur de telle manière à mettre bien parallèle votre plateau et votre bras. Vous avez ensuite le contrepoids et l'anti-skating. Le contrepoids va vous permettre d'appliquer une force sur votre cellule et notamment sur votre diamant. Cette force ne doit être ni trop lourde ni trop légère. Trop lourde, ça va écraser et affaisser le diamant. Trop légère, ça va faire rebondir votre cellule. Et l'anti-skating, c'est la contre-force qui va s'appliquer au mouvement naturel normalement du vinyle qui s'applique grâce à la gravure du vinyle. Donc je vais vous montrer rapidement comment régler votre bras. Vous allez commencer par faire le point d'équilibre. Donc pour ce, c'est très simple. Vous allez dévisser de telle manière le contrepoids, de telle manière à pouvoir créer le point d'équilibre. L'anti-skating, donc du coup, en plus, c'est la force qui va s'appliquer. On le voit ici, lorsque l'anti-skating est à zéro, on a une très faible, voire une force nulle qui s'applique. Lorsque je le règle de manière conséquente, on voit bien qu'il y a une force très conséquente qui s'applique vers l'extérieur. Ensuite, il ne me reste plus qu'à bloquer mon bras. Ici, j'ai ma bague, je la mets à zéro. 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Je vais mettre à 3,5 grammes, 4 grammes, voilà. Voilà.